Amis d'ivoiretv.net, bonsoir. Eh bien, comme toujours, je suis ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le siège de l'ONU à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Eh bien, il y a une réception qui a été offerte par Son Excellence Youssouf Bamba, ambassadeur près des Nations Unies à New York, qui a donc convié tous les amis de la Côte d'Ivoire à célébrer cet événement exceptionnel. À vous, je souhaite donc bonne fête d'indépendance. Thank you.
Indépendance ivoirienne un peu particulière, parce que c'est après 10 ans de crise, c'est enfin la Côte d'Ivoire avec un gouvernement démocratique et une Côte d'Ivoire qui se reconstruit après une tragédie. Et je crois que tous les membres des Nations Unies, nous souhaitons bonne chance à la Côte d'Ivoire dans cette nouvelle phase et bonne chance au gouvernement du président Ouattara. Well, I'm very happy to be here. And I'm very happy that the situation in Côte d'Ivoire is now fast returning to normalcy. I had the privilege of visiting Côte d'Ivoire when the Security Council went there on a trip to Liberia, to Côte d'Ivoire and Sierra Leone. And we had the privilege of meeting His Excellency the President and other members of your government. And I think the international community and the UN and the Security Council in particular are very keen to extend support to enable Côte d'Ivoire to be fully stable and for its democratic functioning. So you have my very best wishes. Thank you.
Je m'appelle Michael Servius, je suis le neveu de Madame Servius qui travaille à l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Et je suis agréablement touché par l'invitation qui m'a été faite par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire de faire partie de cette soirée en l'inauguration en fait de l'amitié avec les différentes nations qui aide la Côte d'Ivoire. C'est vraiment une superbe soirée. Et voilà, donc je vous remercie. Je vous remercie pour vous et à bientôt. Very happy to see that your country has, let's say, is celebrating the anniversary of your independence, and that we are enjoying here a lot as representatives of different countries partaking in your traditions and culture and gastronomy. So it's a great pleasure for us, yes, to meet representatives of your country here in New York. My name is Luis Martinez Montes. I'm from the Spanish mission here at the United Nations. First of all, we wish to express our thanks and appreciation for the organization of this 52nd anniversary of your independence. So this is Côte d'Ivoire is very close country and close very friend of Vietnam in many areas. And also we have very close relationship between the bilateral relationship in the matter of the multilateral area too. So we wish you a successful development in your country and happy anniversary. I'm from Mission of Vietnam. Yeah, yeah, thank you. Peut avoir votre impression par rapport à cette 52e fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire, particulièrement après la crise qu'elle vient de traverser? Oui, bon, il y a un esprit très festif. On apprécie beaucoup l'invitation de la mission permanente de la Côte d'Ivoire. C'est magnifique, il y a beaucoup de monde. On passe un très bon moment et on vous souhaite tous les beaux pour votre fête d'indépendance et félicitations. No, thank you very much. My name is Basso Sangu. I'm the permanent representative of South Africa to the United Nations. You know, and of course, this is an African celebration. It's splendid. The dancing and, you know, everybody seems to be happy. We want to congratulate and Ivory Coast for this wonderful celebration and for its birthday at the United Nations. Thank you very much. Thank you to you. Bon, d'abord, la Côte d'Ivoire, c'est un pays ami. Hein? J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de relations avec la Côte d'Ivoire. Et pour moi, je suis ravi que la question soit réglé en Côte d'Ivoire. C'est un pays d'avenir, c'est la porte de l'Afrique de l'Ouest et il nous faut un peu de paix et de sécurité pour développer l'économie de la Côte d'Ivoire. Pour moi, ça représente beaucoup parce que je suis investi dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est monsieur? Mon nom, c'est Adlai Sergi et je suis avec Saxon Harris. Je suis le président de Saxon Harris. Thank you.
donc en présence de l'ambassadeur de la francophonie auprès des Nations Unies, qui va donc nous donner ses impressions par rapport à la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la 52e bien sûr, et un petit mot en ce qui concerne l'après-crise de la Côte d'Ivoire. Non, je voudrais d'abord souhaiter au peuple ivoirien une bonne fête de l'indépendance et surtout me réjouir que la situation en Côte d'Ivoire s'améliore. Nous venons d'assister en francophonie au retour du Parlement ivoirien au sein de l'Assemblée parlementaire. Nous savons aussi que la francophonie a joué un rôle important dans cette dynamique et nous ne pouvons que nous en réjouir. Naturellement, nous devons prôner toujours la paix, la dynamique de la concertation et le dialogue, ce qui a toujours d'ailleurs prévalu en Côte d'Ivoire, mais aussi chez toutes les autorités coutumières qui ont toujours œuvré au rapprochement. Donc 52 ans, c'est un demi-siècle, 52 ans, nous souhaitons encore une dynamique pour que la Côte d'Ivoire rétablisse la sérénité, la joie de vivre, comme nous l'avons d'ailleurs appris à l'époque du président Oufouette. Bonsoir maître. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Ça va. Alors aujourd'hui c'est le 52e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quelles sont vos impressions par rapport à cette célébration inédite? Et aussi votre mot à l'endroit de la nation ivoirienne, surtout après cette crise qu'elle vient de traverser. Ben d'abord, je suis très honoré d'avoir été invité. Et ce que je peux dire, c'est que la nation ivoirienne doit croire aux aspirations du président Alassane Ouattara. La réconciliation est une chose très importante, sine qua non, pour l'évolution et le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que tous les Ivoiriens doivent saisir cette opportunité d'indépendance, la célébrer de manière sereine, mais aussi prendre la mesure de l'importance de leur pays en Afrique et se dire que l'avenir que le président Ouattara leur réserve est un avenir prometteur. Parce que je vois les efforts qui sont faits sur le terrain. Délégué général de la promotion économique, est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui vos impressions pour cette célébration de la 52e indépendance de la Côte d'Ivoire? Merci Esther. Je suis un homme heureux, comblé de pouvoir participer à cette belle cérémonie qui marque le 52e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est notre beau pays qui a vécu dans l'inquiétude pendant 40 ans, a sombré brusquement ces 10 ou bien 12 dernières années, dans ce que tout le monde sait. Mais comme c'est un pays béni et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, lentement mais sûrement, nous sommes en train de sortir la tête de l'eau. Mais pour moi, cette occasion est belle pour célébrer cette victoire de l'espoir. Une Côte d'Ivoire meilleure sur l'avenir et un pari sur l'avenir. Donc je voudrais remercier l'équipe d'Ivoire TV de me donner cette agréable occasion de donner mes sentiments par rapport à ce jour merveilleux qu'est ce 7 août 2012 à New York. Merci d'abord. Je dirais que 52 ans dans la vie d'un adulte, c'est un long moment. C'est un peu plus d'un demi-siècle. Donc, c'est une grande étape que la Côte d'Ivoire vient de franchir. Malheureusement, cela arrive au moment où il y a des troubles au pays. Mais je pense que la cérémonie ici, qui a rassemblé beaucoup de monde, est le signe de la renaissance ivoirienne. Et notre souhait à nous tous, c'est que ce pays puisse repartir sur des bases solides. Mes impressions sont d'espérance, sont d'espoir aussi pour une renaissance ivoirienne. Senator Bill Perkins, thank you for coming today.
Can you just give us your impression about that 52nd celebration of Côte d'Ivoire independence? Well, it's a wonderful celebration, and it shows that the Africa has a great future as we see what's happening in Côte d'Ivoire, as we see what's happening with the new ambassador. In fact, even with the turmoil that's taking place in other parts of the continent, particularly I'm sad about Mali, but nevertheless, I have faith that that will come forward and that, of course, Côte d'Ivoire will play an important role here as they make decisions about what will happen, not only in the Ivory Coast, but also in Africa in general. And we in Harlem are very honored to be here today to celebrate with him and to enjoy the company that he has brought together. And we look forward to him coming to Harlem, where we would like to have a reception in his honor. Alors, après cette magnifique célébration du 52e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, quelles sont vos impressions par rapport à cette célébration et votre mot, je dirais, donc, à l'endroit de la diaspora ivoirienne? Merci Ivoire TV. Merci d'avoir couvert l'événement. Nous sommes ici aux Nations Unies, à l'ONU, et c'est tout un symbole. La Côte d'Ivoire fête son anniversaire d'indépendance ici dans la maison des Nations Unies. C'est tout un symbole qui signifie que la Côte d'Ivoire est de retour sur la scène internationale. Vous-même, vous avez vu, tous les ambassadeurs étaient là et ils ont tenu à venir témoigner leur soutien, leur support à la Côte d'Ivoire sur le chemin de la normalité, du retour sur la scène internationale. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le message que la Côte d'Ivoire veut jouer le rôle qui a toujours été le sien. La Côte d'Ivoire est un pays attaché à la paix. Le président Foubani a fondé cette Côte d'Ivoire moderne sur les valeurs de la paix, du dialogue. Et c'est par rapport à ces valeurs que nous voulons nous réconcilier et jouer notre rôle au sein des Nations Unies. Aujourd'hui, tout le monde est venu nous soutenir pour dire qu'on compte sur vous, Côte d'Ivoire. C'est ce que tous les ambassadeurs qui sont passés en me saluant, ce sont ces mots que nous échangeons. Et nous allons jouer ces rôles. Mais pour le faire, nous devons commencer nous-mêmes par la réconciliation dans notre propre pays. Et la communauté internationale est prête à nous aider. C'est le sens de la résolution que le Conseil de sécurité a passée en renouvelant le mandat de l'ONU ici. Donc, tous ces aspects, l'ONU est disposée à nous accompagner. Et nous, Côte d'Ivoire, nous avons à faire notre rôle également, commencer à faire disons, cette réconciliation. Donc, mon appel à la diaspora, c'est que chacun à son niveau doit prendre la responsabilité. Le président de la République, Alassane Ouattara, il fait son travail. Lui, il a prôné son discours. Partout où il passe, ses discours sont des discours, il fait passer le message de la réconciliation. Chacun à son niveau de responsabilité doit pouvoir décliner cette orientation générale, cette direction générale.
ici à New York, moi j'entends jouer ma part au niveau de la diaspora, au niveau de la communauté internationale. C'est le sens de cette fête. Et également, je vous dis et je répète à ceux qui vont écouter ces messages que le samedi 11, il y a une garden party à la résidence pour que les Ivoiriens, les fils et les filles de Côte d'Ivoire ici à New York se retrouvent pour communier dans la fraternité et la vraie réconciliation au-delà des clivages politiques, au-delà des appartenances religieuses, ethniques, pour prouver que la Côte d'Ivoire est un pays, un république, une indivisible. Merci. Merci. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.